La jeune fille tombe sur le pavé et reste longuement pâmée. Messire Gauvin la relève, bien soucieux de la peur qu'il lui a vue. Revenant à elle, elle dit « Nous sommes morts. À cause de vous, je vais mourir à tort. Et vous, je pense, à cause de moi. La commune de cette ville va s'assembler autour de nous. Ils seront là plus de 10 000 amassés devant cette tour. Mais il y a assez d'armes ici. Je vous en armerai. Un homme vaillant pourrait défendre cette salle basse contre toute une armée. » La jeune fille court chercher des armes pour leur sûreté. Elle et Messire Gauvin se sentent plus tranquilles quand elle l'a revêtue d'une bonne armure et bien armée. Mais ils ont une déconvenue en ne trouvant de bouclier. Il en fait un d'un échiquier et dit qu'il n'en veut point d'autre. Il verse à terre les pièces d'échecs. Elles étaient en ivoire, très dures, et bien 10 fois plus grosses que les échecs habituels. Désormais, quoi qu'il arrive, Gauvin pense qu'il tiendra la porte et la chicane d'entrée. Il porte Excalibur à sa ceinture, qui est bien la meilleure épée qui soit, tranchant le fer comme du bois. En sortant de la tour, le vavasseur trouva, assis ensemble sur la place, un rassemblement de vilains, dont le maire, les échevins et beaucoup d'autres bourgeois, tous exempts de remèdes et bien portants. Le vavasseur courut, criant « Vite, aux armes, seigneur! Le traître Gauvin est ici, qui tua jadis notre roi! Allons le prendre! » « Où est-il? Où est-il? » crient les gens. « Je l'ai trouvé dans cette tour. Il s'amuse près de notre demoiselle qui l'embrasse et caresse. Elle ne s'en défend pas, mais elle semble s'y plaire. Venez vite, nous le prendrons. Si vous le livrez à notre sire, il vous en saura gré. Le traître a mérité d'être maltraité à sa honte. Cependant, prenons-le vivant. Mais sire l'aimera mieux vif que mort, à juste raison. C'est que chair morte ne craint rien. Ameutez la ville! Faites votre devoir! Aussitôt, le maire se lève et ses échevins comme lui. Alors, vous eussiez vu les vilains en colère saisir des haches, des hallebardes, n'importe quoi! Celui-ci prend un bouclier sans courroie, l'autre une porte dégondée, l'autre un vent. Le crieur crie le banc, tout le peuple s'assemble, on sonne la cloche communale, que personne ne reste chez soi. Il n'est si lâche qu'il ne saisisse fourche ou fléau, ou pique ou masse. Jamais pour tuer la limace ne fut tel bruit en Lombardie. Il n'est si poltron qu'il n'y aille avec une arme. Messire Gauvin est en péril de mort si Dieu ne le conseille. La demoiselle s'apprête à le seconder hardiment. Elle crie au communier par une archère. Ouh, ouh, bande de vilains, chiens enragés et mauvais serfs, quel diable vous envoie ici? Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Dieu vous maudisse! Si Dieu m'aide, vous n'aurez pas le chevalier, mais bien des vôtres y laisseront les membres ou la vie. Celui qui est ici n'y est pas venu par les airs, ni par un souterrain secret. Il me fut envoyé comme un hôte par mon frère, qui m'a prié de le traiter comme je le traiterais moi-même. Me tiendrez-vous pour vilaine pour l'avoir bien reçu comme il me l'était demandé? Le croira qui veut s'il m'écoute. Ce n'est pas pour lui que je fus aimable. Et je ne pensais pas à folie. Je vous en veux de cet affront que vous me faites en tirant vos épées contre moi à l'entrée de ma chambre, sans trop savoir pourquoi vous agissez ainsi. Et même si vous le savez, c'est à moi qu'il fallait le dire au lieu de m'outrager. Pendant qu'elle parlait, ceux du dehors brisaient la porte à grands coups de hache et l'ont bientôt fendue en deux. Mais le portier qu'ils y trouvèrent leur en a interdit l'entrée. Le premier qui s'y présenta a si bien payé son audace que les suivants s'en sont émus et que nul n'ose plus aller.
Chacun prend garde à sa santé et craint d'aller perdre la tête. Nul n'est si hardi d'approcher de ce portier si redoutable qui n'en touchera plus un seul et n'en verra plus devant lui. Pendant ce temps, la demoiselle, qui s'est retroussée et serrée, lapide à coups d'échecs qu'elle ramasse par terre ceux qui sont dans la rue, jurant dans sa colère qu'elle les fera mourir si elle le peut avant d'y passer elle-même. Les vilains se retirent. Ils crient qu'ils abattront la tour si le chevalier ne se rend. Ils se défendent à qui mieux à coups d'échecs qu'il leur envoie. Plusieurs s'enfuient, ne pouvant souffrir leur assaut, puis se mettent à saper la tour à coups de pique à sa base, dans l'espoir de l'abattre, car ils n'osent assaillir la porte qui leur est trop bien interdite. Croyez-moi, s'il vous plaît, cette porte était si basse et si étroite que deux hommes n'y pouvaient entrer ensemble à moins de grande peine et un preux suffisait à la défendre. Pour égorger entre les dents ou pour décerveler des assaillants sans casque, point de meilleur huissier que Messire Gauvin. De tout cela, ne savait rien celui qui l'avait accueilli. Mais il s'en revint dès qu'il put du bois où il était allé chasser. Pendant que les vilains s'appellent à tour à coups de pioche, voilà le sire Guingamp Brésil, ignorant tout de l'aventure, qui s'en revient à grande allure et se trouve fort étonné du bruit que mènent les vilains. De ce que Messire Gauvin soit au château, il n'en sait rien. Mais quand il advint qu'il le sut, il défendit que nul ne soit si hardi, si son corps lui est cher, d'oser ébranler une seule pierre. Mais ils lui répondent qu'ils ne cesseront pas leur travail pour ce qu'il leur a dit, et abattraient plutôt la tour sur lui s'il se trouvait à l'intérieur. Voyant que sa défense n'y vaut rien, Guingamp Brésil pense qu'il ira vers le roi qui chasse, et qu'il l'amènera voir la folie de ses bourgeois. Mais le roi revenait déjà. Il lui dit quand il le rencontre « Sire, vos gens vous font grand honte. Votre mère et vos échevins assaillent depuis ce matin contre votre tour et l'abattent. S'ils ne payent leur faute et s'ils n'achètent leur pardon, je vous en saurai mauvais gré. J'avais appelé Gauvin de trahison, vous le savez. Or, c'est Gauvin que vous avez hébergé dans votre maison et il est de droite raison puisque vous en fuites votre hôte qu'il n'y trouve honte ni outrage. » Le roi dit à Guingamp Brésil, « Maître, il sera respecté dès que nous serons arrivés. Quoique cette aventure m'ennuie et me gêne beaucoup, je ne puis m'étonner que mes gens le haïssent à mort. Mais je dois, si je le puis, le garder de prison et de blessure, lui donnant l'hospitalité. » Il trouve ses gens autour de lui qui mènent grand tapage. Il dit au maire de s'en aller, à chacun de rentrer chez soi. Tout le monde s'en va sans résister, puisque cela plaît à leur mère. Il y avait là un vavasseur, natif du pays, qui conseillait les gens car il avait beaucoup de sens. « Sire, » dit-il, « nous vous devons notre foi et le bon conseil. Il n'est pas étonnant que celui qui tua votre père en trahison ait été assailli par nos gens, car il en est haï de mort, et à bon droit, vous le savez. Parce que vous l'avez hébergé, il est garanti de mort comme de prison. Mais il faut aussi garantir le droit du sire Guingamp Brésil, ici présent, car c'est lui qui fut appelant de sa trahison chez le roi Arthur. » On ne doit pas cacher non plus que Gauvin est venu pour se défendre en votre cour. C'est pourquoi je propose un répit pour cette bataille jusqu'à un an. D'ici là, que Gauvin s'en aille chercher la lance dont le fer saigne, jamais si sec qu'une goutte de sang n'y pende. Ou il vous donnera cette lance, ou se remettra sous votre main, en prison, comme il est ici. Vous aurez alors meilleure occasion de l'y maintenir que vous ne l'avez à présent. Je ne crois pas que vous puissiez lui imposer plus lourde peine, que pourtant il puisse accepter. Il est bon de charger le plus possible ce que l'on est.
je ne connais pas meilleur conseil pour tourmenter votre ennemi. » Le roi se range à cet avis. Il va vers sa sœur dans la tour et la trouve fort en colère. Elle vient à lui toute dressée, accompagnant Messire Gauvin, lequel ne pâlit ni ne tremble, malgré l'angoisse qui le tient. Guingambrésil s'avance vers eux et d'abord salue la jeune fille, toute rouge dans sa fureur, puis il dit à Gauvin de dures paroles. « Sire Gauvin, je vous avais pris à ma charge, mais tout en vous avertissant que vous ne soyez si hardi de pénétrer dans nos châteaux ni dans les villes du royaume, et vous ne m'avez écouté. De ce qu'ici l'on vous a fait, ne convient pas tenir procès. » Alors, le sage Vavasseur parle. « Sire, si le Seigneur Dieu m'aide, tout ceci peut bien s'arranger. Ne peut-on rien en demander si les vilains l'ont assailli? La dispute en continuerait jusqu'au jugement dernier. Mais je dirais, suivant l'avis de mon seigneur roi qui m'entend, et selon qu'il m'a commandé, qu'il ne déplaise à vous ni lui que l'un et l'autre repoussiez jusqu'à un an cette bataille. Que Messire Gauvin s'en aille, pourvu qu'il nous fasse serment de nous donner d'ici un an la lance dont la pointe pleure le beau sang tout clair qu'elle sut. Car c'est écrit qu'il adviendra que tout le royaume de Nogre sera détruit par cette lance. Par ce serment de votre foi, veut s'assurer mon seigneur roi. Certes, dit Messire Gauvin, j'accepterai plutôt de mourir, ou languir 7 ans dans vos prisons que d'engager ma foi dans cette promesse. Je n'ai pas si peur de la mort que je ne préfère l'endurer que vivre à honte et parjuré. Beau sire, fait le Vavasseur, vous n'aurez pas de déshonneur dans le sens que je vais vous dire, et vous n'en vaudrez jamais moins. Vous jurerez de tout tenter pour conquérir la dite lance. Mais, si vous ne nous l'apportez, vous reviendrez dans cette tour et serez quitte du serment. De la façon dont vous le dites, je suis prêt à faire le serment. On lui a présenté un précieux reliquaire, sur quoi il a juré de chercher la lance qui saigne en y mettant toute sa peine. Ainsi, la bataille est laissée et jusqu'à un an repoussée entre lui et Guingambrésil. En sortant de cet embarras, Gauvin échappe à un grand péril. Il prend congé de la demoiselle avant de sortir de la tour, puis il commande à ses valets de s'en retourner à sa terre en y ramenant ses chevaux, sauf le seul Gringalet. Ainsi s'en vont les écuyers, et il n'y a plus rien à dire, ni d'eux, ni du chagrin qu'ils ont à se séparer de leur seigneur. À cet endroit, le comte se tait de Messire Gauvin et reparle de Perceval.